Voilà, c'est parti. C'est pour le cinquième round. Oh, belle gauche au corps de la part de Ross. Mais on voit vraiment, moi, par rapport au boxeur que j'ai connu, on voit vraiment l'inactivité là, d'un an, là, ça y fait. Il semble se chercher comment lancer ses coups. C'est belle, beau jab de la part de Troy Ross, mais belle esquive de la part de Rilliford. Oh! Si, là, on a vu une droite qui a touché la cible. Rilliford semble voir qui a touché la cible vraiment d'aplomb. Et Ross, ça semble l'ébranler. Bon, encore une fois, belle droite que je suis la cible. Et Ross devra se méfier là, des grands bras de Rilliford. Encore une fois, Ross de bonne gauche. Mais Rilliford encaisse très bien. Oh, il encaisse très bien. Bonne défensive aussi. Très bonne défensive et ça sert bien de sa portée. Là, ici, on se bat encore à corps et Ross a tenté. C'est là que c'est dangereux pour lui. Quand il se met à lancer des grands coups comme ça, il peut se faire la tête. On voit à la reprise, hein? Belle gauche à part de Ross, directement à la mâchoire, mais ça a plu. Et on voit la différence de grosseur. Alors, c'est un combat qui est prévu pour 8 rounds. On vient de compléter le cinquième. Ross qui devra gagner des points dans les trois derniers là, s'il veut aller à la décision unanime ou, en tout cas, peut-être gagner par KO, mais c'est pas un combat si facile pour lui. Non, c'est pas si facile que ça. Et ça donne beaucoup de misère, je trouve. Là. C'est sûr que ça, son inactivité fait en sorte qu'on voit là, qu'il n'y a pas eu de combat dans le corps depuis un bout. Tu sais, il faut être prudent dans ça, là. Tu sais, même si ça fait longtemps que t'as pas boxé, reste que ta fiche est là, ta carrière est là, là auparavant. Et on va t'amener un adversaire en fonction de ça. Oui. Ben ici, ils ont encore à corps. Les adversaires qui s'accrochent. Beaucoup au corps de la part de Troy Ross. Toujours accroché à Rilliford, ou Rilliford accroché à Ross.
Il faut dire que Ross a l'habitude de terminer ses combats par KO. Il a 12 KO sur ses 16 victoires. Mais là, le KO semble plutôt difficile avec la défensive de Rutherford. Puis aussi, comme on disait, le jab qu'il tient à distance. En effet, oui, c'est ce qui fait en sorte que c'est plus dur. Et Ross est à gaucher. La force face à un gaucher, c'est de lancer sa droite. Pour Rutherford, c'est ça, de lancer encore plus sa droite en ligne droite, ce qui fait en sorte que c'est plus dangereux. Encore une fois, ici, Troy Ross tente de beau coup au corps, mais là, il est atteint ici par la gauche de Rutherford. C'est pas que c'est des coups en puissance, mais encore ici, il se fait trop atteindre. Et quand il lance ses coups, il tombe sur Rutherford. Là, pour ce qui est de Troy Ross, étant donné qu'il est désavantagé par la grandeur, c'est de provoquer des choses, travailler. Comme il l'a fait présentement, travailler au corps. Oh, belle gauche ici de la part de Troy Ross. Mais... Rutherford les encaisse. Ouais. Sans broncher. Ça a changé beaucoup de début de combat, là. Ça complète le sixième round. Après...